Thank you.
quien si muero allé. Oh!
Jean Vignon, bon chauffeur, ça y est, les conducteurs chevronnés en français, eh bien, venez inscrire à DNB Driving School. Si vous n'êtes pas comme ça, mais bon genre d'information. Chaque jour dans le pays ici, il y a passé 500 accidents qui fait sur highway seulement. Quand il y a un premier cause d'accident, ça y est, monde qui pas contre bon genre technique pour conduire, pour non seulement pas faire accident, mais tout pour éviter l'autre monde faire accident avec vous, dans DNB Driving School, n'a mettez sous main. Ça veut dire, no ticket, no accident, no nothing. Sans besoin encore, de local pour saisir. Dans North Miami avec Pasteur Joseph Mondésir, seulement relayez le numéro ça y est, 305-305-2359. 305-316-0912. Dans Broward, adresse la C, 530 South State Road 7, Plantation, Florida, 33-317. Ou bien, relayez le 954-588-5172. Mes amis, ou ça sont chauffés, et pour qui ça n'a même yo pas à l'apprendre conduire dans DNB Driving School? Dans le souci pour développer une bonne relation ministérielle avec la communauté chrétienne haïtienne, l'Église Vedette, vision des élus du dernier temps qui est à Miami, Floride, intéressé à partager avec vous le calendrier principal activité ministérielle. Dimanche 8h-11h, études bibliques, adoration et louange. Dimanche soir, 7h, dernier service. En ligne, mardi 9h midi, devant le trône. Cri de minuit, vendredi 9h minuit. Lecture biblique de Genèse à l'Apocalypse, lundi au vendredi 11h midi, à souhait 6h-7h. Ou intéressé à rejoindre l'église Vision des élus du dernier temps, nous n'en 128-00, North Miami Avenue, Miami, Floride, 33-168. Ou qu'à contacter secrétariat pasteur Joseph Mondésir, non, 305-305-2359. Ou qu'à suivre Vedette sur différentes plateformes électroniques LIO, www.vedetrtv.org. Facebook et YouTube, tapez Vision des élus en un seul mot. Sous Zoom, 585-318-4941. Contactez Vedette dans USA, 952-222-1750. Access code 305-305-23+10 ou 40. Restez connectés à Vedette, attendez et puis partagez. Je vais vous accuser tous comme je m'accuse. J'accuse. Je profite et remercier pasteur Mondésir et sa femme qui mettent des programmes ça chaque année pour chauffer que Marie, Madame Petite. Et c'est sûr, nous croyons que les gens ont fait arrangement. Tout le monde là qui chita, je suspecte que toute fille qui chita quand on monsieur, c'est Marie. Toute Marie, monsieur qui chita quand on fille, c'est Madame. Quand on jeune fille, peut-être c'est Petite. Parce que nous connaissons pasteur et madame Nikon fait bon arrangement. On nous baille mon salon gros applaudissement. Et ce y a content, ça y a fait. Et la chanson que la première chanson que je vais interpréter est titrée. Comment nous t'arrêtons même titrée? Parce qu'on a parlé de famille. Nous content nous dit là, mais c'est acte tout kem. Sans embâche, acte tout kem. Thank you.
c'est madame moi, ça c'est mari moi. Profondi connaissance sous la Bible, l'église Vision des élus venir avec un programme pour vous qui porte le nom Les Amis de la Bible. Un programme lecture biblique où vous avez possibilité pour lire Bible, aller de Genèse à Apocalypse à distance, quel que soit où vous êtes dans le monde. Si vous avez participé dans le programme, ça, tapez 952 222 1750 code 305 305 23 10 sur les États-Unis. Si vous êtes dans le pays d'Haïti, Chili, Brésil, Saint-Domingue et la Trier, allez sur WhatsApp sur numéro 561 909 78 31. Nous allez tout sur Facebook, YouTube, tapez Radio Vision des élus ou êtes capable de suivre le programme dans toute intégralité. Nouvelle session 15 janvier 2024, chaque soir sorti 6h pour arriver 7h30 du lundi au vendredi. Profitez moment ça avec pasteur Mondésir Joseph pour découvrir qui qualité bénédiction qui gagne la Bible. Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés. Après, bon Dieu avec nous. Je salue, nous apprécions, non, Seigneur. C'est Pasteur Bonésir. Eh bien, nous connaissons depuis le fait 6 heures du lundi au vendredi. C'est là que nous rencontrons bon tabla pour nous lire ensemble parole, bon Dieu, de Genèse à l'Apocalypse. Nous saluons tous les amis de la Bible. Nous saluons tout le monde qui remet bon Dieu, qui remet parole, bon Dieu. Et nous faisons le devoir pour nous lire la parole de bon Dieu. Nous saluons tout le monde, l'église Vision des élus, tout supporter nous. Quel que soit côté nous, nous connaissons depuis nos numéro de téléphone, ça, 952-222-1750, code 305-305-2310. Eh bien, ou quel que soit côté nous, ou qu'à la Bible ensemble avec nous. Donc, c'était que vous preniez une bonne position et. Au gré Bible dans main, n'a pas demandé ça non, prier pour nous pour commencer avec séance à soir. C'est ça non, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, mon pasteur, bon Dieu béni nous tous qui sont là, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Et secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre, papa, nous disons merci en pile pour grâce au fait nous. Merci en pile, Seigneur, pour grâce ou faire serviteur avec toute servante, à toute l'église, toute âme de la Bible. Et tout le monde qui a collaboré ensemble avec le Seigneur, nous pardon pour manquement nous. Nous demandons pardon pour manquement par nous, cher Seigneur. Fais-nous grâce, aidez-nous. Nous disons merci pour la parole, Seigneur. Merci pour te mettre en tel encouragement dans lui-même pour te faire travailler ça avec nous. Nous comptons, Seigneur. Nous disons merci. Allô? Merci Seigneur. Nous vous remercions en pile. Aidez-nous, bonne force, bonne courage. Et spécialement, serviteur, bonne force, courage avec tout le monde qui est entouré avec lui-même. Fais-nous grâce pour ça. Aidez-nous pour nous lire, pour nous mettre en pratique. Que nous louer, que nous exalter, que nous salmons Dieu au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Bonne lecture. Hello, pasteur. Oui, bon Dieu béni, c'est ça, non? Merci en pile. Donc, oui. Ok, maintenant nous souligne la seconde. Donc, nous remercions le Seigneur qui permet que, à soir, nous rencontrer encore. Et, ben, moi, ben, nous lisons, qui pral faire assurer lecture pour nous à soir. Nous avons Pierre Charles, c'est lui-même qui a commencé avec chapitre 31. Nous avons deux chroniques. Après ça, nous avons gagné Sœur Anita. Nous avons tout le monde a fait étoile 5 pour nous, Seigneur. Et s'il vous plaît, pour nous identifier, nous avons gagné Sœur Anita qui Sœur Anita qui pral continuer avec chapitre. Alors, bon, vous reprenez.
Et pas ça, non, me fait erreur, oui. C'est Sœur Anita. C'est Sœur Anita qui a commencé avec le chapitre 31, et pas Sœur Pierre-Charles. C'est Sœur Anita. Sœur Almir, chapitre 32. Sœur Souffre, chapitre 33. Sœur Pascal, chapitre 34. Sœur Pierre-Charles, chapitre 35. Et puis Sœur Ursula a terminé pour nous, chapitre 36. Après ça, on a demandé à Sœur Guy pour présenter nous Livre Esdras. Et puis, d'après Sœur Florence, chapitre 1er, versets 1 à 35, chapitre 2, c'est Sœur Yva, 36 à 54, Sœur Louis Augustin, et Sœur Galiot a terminé pour nous, versets 55 à 70. À nous demander, à nous qui côté nous carré, notre bien-aimée Sœur Anita, est-ce que Sœur Anita là, s'il vous plaît, nous demander le fait étoile 5 pour nous. Sœur Anita, pour nous capables de passer, pour nous identifier côté lié à Sœur Anita. Nous parlons Sœur Anita. Nous parlons Sœur Anita. Sœur Anita, bon Dieu béni. On nous demande Sœur Julie pour lire pour Sœur Anita. Et Sœur Anita, elle n'a pas commenté. Bon, moi. Ok. Non, bah oui, c'est Anita. Ok, let's go, Sœur Julie. Sœur Julie a lu pour Sœur Anita. C'est 2 Chroniques, chapitre 31. Bonsoir, Pasteur, mon désir. Bon Dieu bénit nous. Bon Dieu bénit tous les amis de la Bible. Nous appuyons ensemble 2 Chroniques, chapitre 31. C'est ça, Pasteur? Oui, yes. Chapitre 31, pour la gloire de Dieu. Disposition prise par Ézéchias pour régulariser les fonctions et les revenus des sacrificateurs et des lévites. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et dans Ephraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Il a dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du moût, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tasses. On commença à former les tasses au troisième mois, et l'on acheva au septième mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tasses, et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les lévites au sujet de ces tasses. Alors, le souverain sacrificateur Azaria, de la maison de Sadoc, lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a de reste.
en 2 Chroniques 31, verset 12. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le Lévite Conania en eut l'intendance et son frère Chiméi était en second. Jéiel, Azazia, Nashak, Azaël, Jérimoth, Josabel, Eliel, Jismakia, Mashak et Benaza étaient employés sous la direction de Conania et de son frère Chiméi, d'après l'ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, chef de la maison de Dieu. Le Lévite Coré, fils de Jimna, portier de l'Orient, avait l'intendance des dons volontaires faits à Dieu pour distribuer ce qui était présenté à l'Éternel par élévation et les choses très saintes. Verset 15. Dans les villes sacerdotales, Éden, Benjamin, Josué, Shemaéja, Amaria et Shekania étaient placés sous sa direction pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leurs divisions. Au mal enregistré depuis l'âge de 3 ans et au-dessus, à tous ceux qui entraient journellement dans la maison de l'Éternel pour faire leur service, selon leurs fonctions et selon leurs divisions. Aux sacrificateurs enregistrés d'après leur maison paternelle et aux lévites de 20 ans et au-dessus, selon leurs fonctions et selon leurs divisions. À ceux de toute l'assemblée enregistrés avec tous leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Et pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs qui demeuraient à la campagne, dans les banlieues de leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer les portions à tous les mâles des sacrificateurs et à tous les lévites enregistrés. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen. Parole du Seigneur. Bonjour, bénis, pasteur. Merci. Merci, notre bien-aimée, Sœur Julie. Donc, c'est ça nous a parlé de réforme. Ézéchias fait dans le pays pour le mettre mon yo sous rail pour servir bon Dieu bien. Et nous continuons avec ce Almir dans 2 Chroniques chapitre 32. Amen. Bon Dieu bénis nos pasteurs, nous saluons chaque monde qui souligne. L'appelons dans 2 Chroniques chapitre 32 pour la gloire de Dieu. Invasion de son chéri, roi d'Assyrie. Et destruction de son armée. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut son chéri, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes de l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que son chéri était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, fait conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville et issus de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disaient-ils, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage, il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo de la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple
et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a lui avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Verset 9, de Chroniques chapitre 32. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs en Jérusalem pendant qu'il était devant Lachish avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire. Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias, ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il dit, l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternez. Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez parfum. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Verset 14 de Chroniques chapitre 32. Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point, ainsi ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de Sanchérib parlaient encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations de ce pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même, le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib criaient à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Verset 20 de Chroniques chapitre 32. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ce qui était sorti de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors s'est élevé aux yeux de toutes les nations. Verset 24 de Chroniques chapitre 32. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort.
Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole, et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile et en mûre, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes et il eut en abondance des troupeaux de menus et de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Verset 30, le premier chapitre 32. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guion et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actions d'Ézéchias, de ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amon, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort, et Manassé, son fils, régna à sa place au nom de Dieu béni. Merci, Sœur Almir. Alors, nous parlons de l'histoire, ça déjà, histoire. Et Assyrien qui décide d'envahir Israël dans la période Ézéchias. Alors, ça fait que, on est chaque fois, nous avons intervenu, eh bien, nous sommes capables d'intervenir de façon variée. Ça, moi, aujourd'hui, dans l'histoire, c'est le fait que la Bible a parlé de ça, il n'a pas menti dans ça. Depuis mon an, quelle droite l'a servi bon Dieu en quête sincère. Et c'est ça l'Éternel te dit Josué, dans Josué chapitre 1er, l'a réussi dans toutes ses entreprises. Même les gens qui avant là, même chez maman, papa, grand, etc., ils n'ont pas servi bon Dieu, ils ont échoué. Mais ou même qui fait choix pour servir bon Dieu, eh bien, ou pas faire échec, ou pas pour honte, parce que son principe biblique. Donc, nous voyons que y a un roi qui n'est pas bon, mais Ézéchias fait choix pas. Il choisit, après une grande réforme, il fait dans le pays, il est monté comme moi. Il fait bon Dieu plaisir. Et pas gagner, une armée. À l'époque, la Syrie, c'était la plus grande armée du monde. Donc, pas oublier que c'est la Syrie qui était dispersée le royaume du Nord, les Assyriens. C'est même la Syrie, ça, en tant que puissance à l'époque, qui vient pour faire et même bagarre là à Ézéchias. Ils n'ont pas capable parce que, bien que Juda était plus petit, oui. Donc, d'ailleurs, il y a une réaction Ézéchias. Il a tellement, l'Alvin, il a manqué, non seulement peuple Israël, les gars, mais il manque l'Éternel. Il dit, vaut mieux que nous rendons tête, nous, parce que nous ne pouvons pas résister. Il dit, nous n'avons pas besoin de temps d'Ézéchias, qui a dit nos belles paquets de paroles,
ça y parole en l'exique elle a dit nous pas aller besoin tant d'exique et bagaille l'Éternel qu'a délivré nous il dit toute la nation ça yo bon Dieu va pas te délivrer et pas bon Dieu qui a ça qui va venir délivrer nous mais exique a fait bon Dieu confiance et il a prié donc bon Dieu exaucé la prière exéquias et bien il bat la victoire donc c'est ce que on va dire l'autre secret c'est bon Dieu avec au cœur droit oui sincère et ce que ça pas grand rien encore non n'a continue avec ce souffrant dans le chapitre suivant le chapitre 33 bon Dieu bénis parce que mon désir de Chronique 33. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant leurs enfants, devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit. C'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit les autels à toute l'armée des cieux dans les deux pompiers de la maison de l'Éternel. Le verset 6 de Chronique 33. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Ça donnait à la magie. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi pour nous toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Je ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères. Pour peu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé. Selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais Manassé plus cause que Judas et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal. Vu que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Le verset 10 de Chronique 33. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple. Et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les pierres. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pierres. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications. Il ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il partit en dehors de la ville de David, à l'Occident, vers Lyon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et d'un fil entourant la colline.
Il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Et il renversa tous les hôtels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Il les jeta hors de la ville. Verset 16. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple s'acquittait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Le verset 19 de Chronique 33. Sa prière est la manière dont Dieu l'exauça. Ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié. Cela est écrit dans le livre de Osaïe. Manassé se coucha avec ses pierres et on l'enterra dans sa maison et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père. Il arriva à toutes les images taillées avec fait Manassé, son père. Et il les servit. Et il ne s'humilia pas devant l'Éternel, comme c'était humilié Manassé, son père. Quand lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Les deux derniers versets pour finir, versets 24 et 25 de Chronique 33. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. Et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci, sœur Soufra. Alors, c'est ça nous qu'on dit, à, au fait, timonio, mon parfait sentiment. Donc, qui ça nous remarque? Ezéchias c'est un bon roi, un roi qui est fidèle. Eh bien, lui fait Manassé, Manassé fait juste le contraire de sa papa le défait. Juste le contraire. Au contraire, hôtel que papa le renversé, monsieur rebâti hôtel. Juste le contraire. Donc, et non, résultat, ou pli par l'autre bagaille, la fini dans la honte, la fini dans la déception. N'a continué avec ce Pascal, chapitre 35. 34. Quand je vais passer à mon désir, je vais devenir les amis de la Bible, devant 2 Chroniques, chapitre 34. Josias, roi de Juda, s'enferme contre l'idolâtrie. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'endettait ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 10e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux.
des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels de Baal et il abattit les statues consacrées au soleil qui était dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui les avaient sacrifiés. Et il brûla les ossements des prêtres et leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines. Verset 7, il renversa les autels, il mit en or et les images taillées et les réduisit en poussière et il abattit tout consacré le ciel. Puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Scaphan, fils d'Athalia, Maaseja, chef de la ville, et Joas, fils de Joachim, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Il se rendit auprès du souverain sacrificateur, Irkija, et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites gardiens du Seigneur avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Juda et Benjamin et les habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel. Verset 11, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux poutres des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sur les sections de Jacques et Abdad. Les villes d'entre les fils de Merari, de Zacharie et de Meshkouran, d'entre les fils de Kéat, tous ceux de Lévites qui étaient habiles musiciens, surveillaient eux. Verset 13, et disaient tous les ouvriers occupés par divers travaux. Il y avait encore d'autres Lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Le livre de la loi trouvé dans le temple. Verset 14. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Irkisha trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors, Irkisha prit la parole et dit à Scaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Irkisha donna le livre à Scaphan. Scaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte. En disant, tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Scaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Irkisha m'a donné un livre. Et Scaphan le lut devant le roi. Verset 19. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Irkisha, à Achikam, fils de Scaphan, à Abdon, fils de Miché, à Scaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda. Au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur moi, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Irkisha et ceux qu'avait désigné le roi
allèrent auprès de la prophétesse Uréza, femme de Scalon, fils de Tokelhat, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire. Deutéronome 34, verset 23. Elle leur répondit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Verset 28. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi dit, le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Ainsi, il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs de la Lévite et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 31, le roi se tenait sur son estrade. Le roi se tenait sur son estrade et il prêta alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Et de Chroniques 34, versets 32 et 33 pour en finir. Et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josaphat fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni. Merci, merci, Sœur Pascal. Alors, point nous t'a souligné pour vous, c'est le verset 27. C'est le verset 27, très important. Pour montrer qui ça? Bon Dieu faible devant monde qui humilié. Dès pour descendre devant bon Dieu, eh bien bon Dieu a besoin un bagage, ou sortir avec un bagage quand même. Et comme ça me ka dit, dès pour descendre devant bon Dieu, ou sortir avec un bagage quand même. Donc nous voyons ça qui passe. Bon, premier point qui est important à souligner, nous voyons Manassé, mais c'est pas de bon même, ok? Alors que papa c'est ton bon roi. Monsieur lui même il fait tout ça par bon devant l'Éternel, mais Josias lui même il vient monter petite Manassé lui, il fait juste le contraire de sa papa le fait. Maintenant, donc le monsieur vient, il vient découvrir le livre ça qui était papillé perdu quelque côté, bon, il était serré le livre là parce que le a fait bonne bagaille qui pas bon.
bon Dieu préserver parole li. Mais dans les oreilles nan oreille roi Josias, monsieur vraiment nous ouais monsieur humilié complètement parce qu'il fin pas rendre compte c'est à bon Dieu aucun problème c'est comportement que bon Dieu traiter comme ça. Mais tandis que l'Éternel dit, il dit parce que ton cœur a été touché. Bien que l'Éternel ait pris décision, il dit li pap tourner sous décision le prend sous Juda, li pap tourner sous lui. Mais parce que roi descend et l'humilie, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Et qui ça le bal comme récompense? Bon Dieu, pape tourne sous décision encore, mais il dit voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Et tes yeux ne verront, pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Donc, bon Dieu, c'est comme David, bon Dieu, dis-le et salte pour pas quitter monsieur, ouais, tout le bagage qui va le passer, parce que monsieur était humilié, il était descendu devant mon Dieu. Donc, depuis qu'on est d'accord pour descendre devant mon Dieu, on sortir avec un bagage quand même. Le dernier chapitre, est-ce que c'est le dernier chapitre? Non, c'est avant-dernier chapitre. Chapitre 35, Sœur Pierre Charles. Bonjour, pasteur. Moi, salue vous. Et moi, salue tous les amis de la Bible. Nous allons lire ensemble 2 Chroniques, chapitre 35. Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignèrent tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâti Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Verset 5. Occupez vos places dans le sanctuaire, d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous et préparez-la pour vos frères, en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevaux aux montagnes de 30 000, le tout pour la Pâque, et 3 000 bœufs selon fut pris sur les biens du roi. Ces chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs et aux Lévites. Ilkija, Zacharie et Jéhiel, prince de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque 2600 agneaux et 302. Canonia, Semaja et Nathanaël, ses frères, Ajabia, Seiel et Josabad, chef des Lévites, donnèrent aux Lévites pour la Pâque 5000 agneaux et 502. Verset 10. Le service s'organisa et les sacrificateurs et les Lévites occupèrent leur place selon leur division d'après l'ordre du roi. Ils immolèrent la Pâque,
les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites, et les Lévites dépouillèrent les victimes. Il mit à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'il les offrit à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse, et de même pour les bœufs. Ils firent cuire la pâte au feu, selon l'ordonnance, et ils firent cuire les choses secs dans les chaudières, des chaudrons et des poêles. Ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Et c'est 14. Ensuite, ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent pour eux et pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. Verset 15. Les chants, fils d'Aza, étaient à leur place, selon l'ordre de David, d'Aza, d'Aiman et de Jéduthun, le voyant du roi, et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères, les Lévites, préparèrent ce qui était pour eux. Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel d'après l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait eu en Israël depuis les jours de Samuel, le prophète, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrait Josias. Les sacrificateurs et les Lévites, tout Judas et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Ce fut là, 18e année du règne de Josias, que cette Pâque fut célébrée. Deutéronome 35, verset 20. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchémish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Néco lui envoya des messagers pour dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Néco qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs: emportez-moi, car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de cette terre. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour. Et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complètes. Versets 26 et 27 pour finir. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, selon cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Bonjour, mon pasteur. Merci beaucoup, Paul. Merci, notre bien-aimé Saint-Pierre. Donc, c'est encore un autre roi, un bon roi,
monsieur classé parmi les bons rois, Josias. Donc nous elle fait réforme en Israël, il te servi bon Dieu avec un cœur intègre. Sœur Ursula a terminé pour nous avec le chapitre 36. Merci, pasteur. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, peuple là. Il va lire la parole, bon Dieu, ensemble. Dans Déconique 36, à la gloire de Dieu. Nous connaissons créole, m'a pli. Mon pays, Judaïo, choisi Jokas, petit garçon, Joas, là. Yo mette la roi nan place papale. Joakaz te gen 23 ans le li monte roi nan peyi Juda. Li gouverne la ville Jérusalem pendant 3 mois. Neko roi peyi l'Égypte la mette à terre. Li force peyi Juda en bas. Il y 7700 livres argent à 75 livres. Après ça, Neko prend Eliakim, frère Joakaz, lui mettait le roi dans la place. Laisse ça, lui changer nom. Eliakim, l'irelel, Joachim. L'infini, l'iprin, Joakaz, l'imetel, nan pays, l'Egypte. Joachim, te gen 25 ans, l'éli, monté roi, pays, Juda. L'i gouverné dans la ville de Jérusalem pendant 11 ans. Li te fè sa ki mal devan Seigneur. Yeah. Bon Dieu li a. Nebukadnezar, roi Babylone, envahi pays Juda. Li fè roi Joachim prisonnier. Li metel en bas chaîne. Doub. Li menen la ville Babylone. Nebukadnezar prend toute belle bagaille qui était dans le temple Seigneur. L'hypothéo allait à Babylone. L'hypothéo dans le temple Bozépal. Tout reste, histoire Joachim là, Jean-Li t'est servi, vieux idole à toute méchanceté. Nous jouons tout ça écrit dans le livre Histoire, roi pays Juda, à roi pays Israël. C'est Joachim, petit, lui, qui montait roi dans la place. Verset 9. Joachim, te gen 18 ans, lui, montait roi pays Juda. Li gouverné dans la ville de Jérusalem pendant 3 mois. 10 jours. Li même tout. Li fait ça qui mal devant Seigneur. Non, saison printemps qui vient après ça. Roi Nebukadnezar fait Joachim prisonnier. Li mène la ville à Babylone. Li prend toute richesse qui était dans le temple Seigneur pour y aller. Après ça, Nebukadnezar prend Sédécia, le papa Joachim. Li mette la ville Jérusalem dans le pays Juda. Sédécia, c'est 28 ans, l'Eli vinoua pays Juda. Li passé 11 ans, la ville Jérusalem a gouverné pays. Li fait ça qui mal devant Seigneur.
li pat soumet devan profesan Jérémy ki ta pale parol bon Dieu nan zorey. Se de si a sa leve kont roa Nebukadnezar ki te fel chemante devan bon Dieu, li tap toujou soumet devan li. Li fè tè di, li deve fize chanje la vil, tap mene a, pase pou tap toune vin jwen seye a bon Dieu pe Israel. Et a lot chef peyi jida yo, pret yo, ansanm a tout pep la te la ge koyo nan fevi yon bon biye zidol. Tankou yon lota nasyon yon te kon fe. Yon de repete tap seye ya se mete a pa pou li menm la vil Jerizalem. Seye bon Diyo yon fet yon a pat manke voye profet pou averti pepliya paske li pat vle anye rive ni pepliya ni templiya me yo pase mesaje bon Diyo voye nan tan yo nan betize yo pa okipe sa bon Diyo te di yo yo pase profet yo en bas rizib. Bout pou bout, seye, e ate vin, si telman fache, pa gen, rechap pou yo, ankon. Verset 17. Se konsa seye, se wababilon la monte vin atake yo. Wa, touye tout jen gason peyi jida, nan temp la, men li pat ge pitiye pou peson, gran moun, kouti moun, fom, kou gason, maladi, ou pa maladi, ou pa maladi, bo Diye la ge yo, tout nan men wa. Wa menm, pran denye sa ki te nan temp la ak nan piyes trezor temp la ansanm ak riches wa ak riches lòt gwo chef yo li pote yo ale la vil Babilon lèl fini li mete di fe dan temp la li kraze miraj la vil la li boule tout an gwo kayo ak tout bel bagay pou te chè ki te la dan yo. Verset 20. Li pran tout moun ki pat mouri yo. Li depote yo la vil Babilon kote yo sepil. Li mene yo ansanm ak pitit li yo tan pou esklav. Jou gouvenman pase nan men wa peyi pes la. E pou sa, sa seye a te mette nan bouj profet Jeremia rize vwe pandan 70 an te apral rete san yon moun la dan li pral pran repo pou tout jou repo yo pa jom bali ya. Verset 22, verset 23 pou fini. Lè sa, wasi li a pat ankon gen en an depi li tap gouverne peyi Tesla. Lè se yè a mette lide nan tèt wa pou li bay yon lòd. Fè kouchel sou papye, voyel tou patou nan peyi pou yo se ka lil
pour tout monde tendre ça c'est pas ça c'est passé comme ça pour parole Seigneur et mettez dans bouche prophète Jérémie c'est qu'arrivé vrai mais l'autre ça dernier verset moi-même Syrie roi pays Tesla mais l'ordre moi bail Seigneur bon Dieu dans ciel là c'est mettre chef sur tout pays qui sous la terre liban responsabilité pour bâtir yo temple pour lui la ville Jérusalem dans pays Juda nous mandé pour bon Dieu père ça béni tout le monde qui fait partie du peuple Israël là pour monter la ville Jérusalem parole bon Dieu amen 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 ça c'est la vraie histoire par exemple si nous besoin connaître ça passe qu'il faut gagner juif dans le monde entier tout pays gon ti groupe juif la caillou en Europe en Asie en Afrique et ben c'est là pour nous aller pour nous connaître origine problème là comment yo fait éparpiller à travers le monde pas oublier que royaume du Noah lui-même on centaine d'années environ il était dispersé par les Assyriens et sa Bible a relé la grande sœur. Mais la petite sœur à lui-même, qui c'est Judas, et bien elle pourra le suivre, elle pourra le faire même, elle pourra le même comportement à la grande sœur. Jeanne Sotoué là. Et pas oublier, ça que l'Éternel te signe comme alliance avec David dans 2 Samuel chapitre 7. C'est vrai. Il dit royaume ça li bay David li pour toujours parce que David te fait le plaisir te fait quel content joindre David un l'homme un monde selon cœur oh mais l'elle bay royaume nan pour toujours ça m'avait dit pour petit David yo vinn faire corruption la donne vinn faire idolâtrie il te dit David il se peut que petit ou pas servim Jean que ou t'y servir mais seulement pour mettre on pas retirer grâce moi sous timon yo mais quand ta bâton m'a bayol et comme principe général là depuis que yo pas respecter tête yo yo va perdre pays yo pas prêter dans pays ya et malgré toute parole prophète yo bay et si nous garder dans liste là Souti nan Manasse, tout ces petits David net, Ezekias, Manasse, Josias, Joachim, Josias, Kaz, et qui est encore, c'est des Sias, tout ces petits David. Mais si vous regardez dernier ou même, dernier ou pas bon même, d'ailleurs, il y a pour équivalent temps, il fait sous tournant, il fait 3 mois, il fait 4 mois, environ 11 mois ou bien 11 ans. Donc pas arrêté et bon Dieu livré yo by l'autre roi Égypte roi Babylone etc etc donc chapitre ça son chapitre capital c'est coup dur côté que bon Dieu pourra le frapper par Juda et par exemple sous prend verset 4 jusqu'au verset 9 c'est première déportation donc il parle sur mon première déportation à partir du verset 10 jusqu'au verset 13 deuxième déportation et du verset 14 jusqu'à la fin c'est dernière déportation pour elle passer 70 ans à Babylone et l'Éternel fixe 70 ans pour qui ça c'est toujours même problème violation chaque année au de travail terre pendant 6 ans et puis pour quitter terre à reposer 1 an yo pas vle yo pas d'accord ça Yo pa d'accord fè bay comme ça. Donc qui ça l'Éternel fait? Li contrôler quantité année ou pa quitter terre à reposer.
Les lalil joine c'est 70 ans té a pas jamais reposé, l'elle contrôle chaque un an yo ajouter en plus. Et belle voyage elle passer 70 ans pour té a prendre 70 ans pour reposer, il faut pas loin retourner après 70 ans. Ba yo pas gagne joite, pas gagne route pas boire. Si nous dit nous c'est serviteur servant bon Dieu, faut nous d'accord pour nous servir bon Dieu selon sa parole. Ouais, bon monde qui pas tenu compte de sa parole bon Dieu dit à fond dal bagay. Corvé ou a fait. Bon Dieu pas négocier parole. Sa parole li dit c'est ça pour faire. Li pas mandé ou, li pas mandé faire sacrifice, li pas mandé faire simplement observer sa parole bon Dieu dit. En nous demandant de Sœur Guy présenter nous livre ça et c'est un autre livre historique nous allons commencer c'est toute une série qu'il a donné et c'est livre Esdras. Sœur Guy, bon Dieu béni. Bon Dieu béni au pasteur, bon Dieu béni tout le monde qui souligne là, la journée de grâce, n'a pas été traité, ta parole est une lampe à mes pieds. On y a l'auteur du livre des Drasses, rédigé au 5e siècle avant Jésus-Christ. La tradition attribue au prophète Esdras la paternité du livre. Thème et enseignement, le retour d'exil. Ce livre raconte les deux retours des Juifs à Jérusalem en provenance de Babylone. Le premier retour avec Zorobabel, qui marque le début de la reconstruction du temple. Et le second avec Esdras pour la continuation de la reconstruction. Le livre d'Esdras couvre une période d'environ un siècle. Esdras met l'accent sur la reconstruction du temple. Parole bon Dieu. Amen. Amen. Donc, ça nous remarquer, donc nous finissons avec deux chroniques. Deux chroniques expliquez-nous comment ils ont déporté et allé à Babylone. Et ils allaient, ils descendent à trois reprises. Ça veut dire déportation en fait à trois groupes divers. Et nous prenons, donc Esdras lui-même, il pral montrer nous qui s'est passé après 70 ans, il pral retourner. Et nous pral ouais, Jean il était descendu, c'est comme ça pral retourner tout. Il était descendu en trois groupes il y a 70 ans. 70 ans après, il pral remonter en trois groupes. On a commencé avec Esdras et ses sœurs Florence qui a pris le chapitre 1er avant. Ok. Je salue le pasteur, je salue tout le monde qui est sur lui. Nous parlons ensemble d'Esdras 1er. Et dit de Cyrus, retour de la captivité de Babylone. Esdras 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui s'est fait de vive voix et pour écrire cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Verset 4. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Judas et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem.
tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses ou autres. Toutes les offrandes volontaires, le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait apporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir parmi Rédac, le trésorier, qui les remit à Shetbazar, prince de Juda. En voici le nombre. 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent et de second ordre, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Chef Magdal apporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Parole du Seigneur. Merci, Sœur Florence. Alors, nous, ça qui passé, bien aimé, c'est que c'est l'Éternel qui frappe, qui disperse à Babylone. Bien entendu, on peut le descendre sous Nebuchadnezzar, mais ça qui va le passer là, royaume Babylone qui est tombé, qu'on y a eu son autre royaume Perse. Perse, c'est les Iraniens aujourd'hui qui existaient. Aujourd'hui a son nom Iran, Irak alors. Alors son nom Iran. Donc c'est les Perses. Donc maintenant c'est l'Éternel qui t'a dispersé, qui voye à Babylone et c'est l'Éternel qui pral chercher. C'est pas un pral faire là pour y retourner. D'ailleurs, il est possible, quasiment impossible pour y retourner dans le pays. Donc, l'Éternel pral fait arrangement. Donc, nous voyons ça qui passe. C'est roi Cyrus même, à l'époque qui était roi des Perses, qui pral autorisé au retourner. Et son païen que lié, son monde qui pas contre bon Dieu même, mais il pral mandé, l'Éternel pral passer Cyrus l'ordre pour Cyrus, bayou tout ça yon besoin pour retourner dans le pays. Et quoi causer bien aimé. Et ça fait. Donc là, Cyrus, son serviteur de Dieu. D'ailleurs, autant de le confesser, lui dit c'est l'Éternel qui mande pour le construire un temple pour lui à Jérusalem. Comme monsieur lui, il va connaître un bagage ça, mais l'Éternel m'a dit c'est lui pour construire. Eh bien, il dit ou est qui expression Bible employée. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout le royaume. Dit l'Éternel, qui ça Cyrus dit ainsi, parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, attendez bien, oui, parole en les noms, le Dieu des cieux m'a donné tout le royaume de la terre. Donc Cyrus reconnaît ça. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Et puis, il lui posait la question, qui d'entre vous est de son peuple? Qui est-ce monde qui reconnaît tous ces Juifs, tous ces Israélites? Eh bien, il demandait Monsaïo, nous avons autorisation pour retourner, et puis, il pral mettait tout ça, il a besoin pour bailler au moyen, premièrement, autorisation, il a bailler l'argent, etc., etc., ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rencontrer problème, mais, au sous-gardé, il y a joué une faveur. Donc, bon, Dieu te descend avec vous, voyez-vous disperser à Babylone, et bien, c'est bon Dieu encore pour aller chercher à Babylone, bien entendu, il va aller retourner après 70 ans pour y recevoir le Messie. Nous devons comprendre ça bien, pour y recevoir le Messie.
Donc, ça faut parler, vous pouvez monter. Premier bagage, mon Dieu, pour aller demander, c'est de monter avec Esdras pour aller construire le temple. Et pas premier bagage, comme si caille côté pour aller arrêter, pour aller qui ça va le manger. Premier bagage, bon, et chrétien doit avoir un réflexe à la caille. Même si on a parti, on a pour aller dans l'autre state, ou pour aller dans l'autre zone, ou a délogé, bien entendu, chrétien qui respecte tes pieds, le pape jamais fait ça de propre gré, non? La prière bon Dieu avant de déplacer. Mais premier bagage, si vous êtes vrai adorateur, si vous êtes chrétien authentique, c'est pour gagner temps chercher qu'on est, pas nous chercher caille pour aller acheter dans l'autre site là. Mais qui côté m'bra l'adorer? Et pas là, on fait acheter caille, puis qu'on a propre garder, est-ce que dans la zone de l'église, si c'est l'autre bon, non? Chrétien par jour. Temple, bon Dieu, en premier. Donc, c'est le premier groupe qui va le monter avec Esdras pour aller construire le temple de l'Éternel. Bagay ça va le prendre le temps pour le faire. Et parce que Messie va venir pour recevoir. Puis devant, après, il va pas recevoir Messie. C'est ça qui va le retourner dans la dispersion avec les Romains. Mes amis, nous temps fini. À nous simplement passer les journalistes parce que le chapitre nous était à son gros chapitre qui est 70 versets la donne. Donc, il y a trois monde qui t'a porté chapitre ça pour nous. Demain, si Dieu veut venir bonheur, c'est Yva t'a commencé, c'est lui, Augustin, ensuite c'est Galiot. Vin bonheur, demain, si Dieu veut, pour nous capables, lire pour nous. C'est nous bien content pour tout le monde qui t'a lu avec nous à soir. Good job. Et n'a pas avancé sérieusement dans les livres historiques. Très prochainement, n'a quitté pour entrer dans les livres prophétiques et puis les évangiles. Après ça, nous terminons. Nous avons été bon petit coucou pour nous faire, mais nous avons avancé sérieusement. C'est Johannes, vous avez la parole, bon Dieu béni. Sœur Johannes, nous avons entendu Sœur Johannes qui peut faire admission pour nous. Allô, Sœur Johannes? Sœur Johannes, Sœur Johannes? Sœur Johannes. Bada de Sœur Johannes, bien-aimé, Sœur Johannes, Sœur Johannes. Nde mute Sœur Johannes. Mais, li pa répond. Lali. Oui. Let's go, Sœur Johannes, fais admission pour nous, rapidement. Et n'a demandé Sœur Maniga, priez pour nous terminer. C'est ça. Ça, c'est au moi. Oui, allô? N'a de Oui, moi, non, c'est vous-même, oui, c'est vous-même, nous dit que. Oh, fais admission pour nous. Hein? Ok. Ok, demain, si Dieu veut la continuer avec les bras. La briser. Ok, à continuer avec les bras. So, la chapitre 3. Et chapitre 4, 1 à 29, sœur Kerkula. Chapitre 4, 30 à 54, sœur Mina. Chapitre 5, frère. Oh, vous êtes allé, beaucoup trop, mes amis. Et voilà, mais voilà, vous passez. Voilà, non, je passe. Sorry. Vous aimez, Et voilà, ok, yeah. Nous gagnons chapitre 3 sur Suzanne. Chapitre 3 sur Suzanne. Chapitre 4 sur Lucie. Chapitre 5 sur Léon Jean-Louis. Chapitre 6 sur Souffrance. Chapitre 7 sur François. Chapitre 8 sur Pascal. Chapitre 9 sur Louis-Augustin. Chapitre 10 sur La Fortune. Vous finissez par ça? Eh bien, ok. Thank you. À nous demander, Sœur Maniga, pour la prier pour nous qu'à mettre fin
Est-ce que c'est Vanika là? Oui. Bon Dieu bénis nous toutes, nous bien contents à soi. Nous t'es là pour la gloire de Dieu. Ce Vanika qui est déplacé. Ce Vanika ou là, fait étoile sec pour nous. Bon moi. Non, pas reçu Maniga. M'content, ouais. Et sœur. Voilà, ça c'est. Sœur Fideline, nous saluer sœur Santana. Ensuite, nous saluer tout. Gérard McBride. Nous saluer tout. Sœur Gerline. Ma joie depuis qu'il est, c'est Gerline monté sur l'île. C'est Lucienne. Nous saluons nous toutes. Bon Dieu béni nous. On nous demande, c'est Suzette, priez pour nous. Faut un coup de prière pour nous terminer pour la gloire de Dieu. C'est Suzette. La paix bon Dieu avec nous. Nous passons la prière. Let's go. Alléluia, notre Dieu, notre Père, bon Jésus. Que nous sommes là, nous bénissons. Nous baguons ces mots pour nous remercier au Seigneur Dieu pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il continue à faire. Nous bénissons pour lecture ça, Seigneur Dieu. Côté que nous n'avons l'école, l'université, n'a pas prendre, Seigneur Dieu. Seigneur, te prie, fais que nous prenons nos mots au Seigneur et que nous capables de pratiquer aussi, pas seulement pour nous tendre, Seigneur Dieu, mais pour nous capables. Gagne beaucoup prendre pour nous pratiquer ça nous tente au Seigneur Dieu. Nous bénissons spécial pour pasteur nous infatigable là Seigneur Dieu. J'apprends de souffler papa. Continuez à faire grâce pour lui pas nous pour nous décourager avec nous. Parce que si la garde sous l'homme Seigneur l'a découragé, merci c'est vous-même. Merci que c'est vous-même et vous-même c'est bon Dieu qui compte la force, qui compte encourager nous. Là, va continuer ce travail qu'on confie là. Père, nous prions chaque monde qui est toujours sous le capitule de Dieu, Seigneur. Encouragez-vous, vous êtes toujours connectés, vous êtes capables d'apprendre une parole de vie sale. Nous comptons sur vous, Père, avec nous comme ça, au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Parce que c'est là, bon Dieu béni, c'est qu'on y a, je me donne des sources. Bye, mon Dieu, salutations, parce que quelques soirées, nous allons voir, oui, là. Béni, mon Dieu, bye, mon mot de bénédiction. À ce qui se lève. Alléluia, alléluia. Je suis content. Je suis là, je viens de recevoir une bénédiction. C'est pour mon Dieu, parole là. Parole restauration, parole résurrection, parole révélation, parole prophétie, parole la vie, parole d'éternité capable d'envahir nous, remplir nous, motiver nous, qu'aider nous, guider nous, sanctifier nous. À soi, pour jusqu'à ce que Jésus tourne. Dans le Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci, tout le monde. Pas oublier d'aller pour pas saluer au monde. Mandez comment tu passes ce semaine. Bon Dieu bénis-nous. À demain, si Dieu veut. Pasteur, mon désir, la paix de Dieu avec vous. Bon Dieu bénis-nous, my brother. Pasteur, mon désir, comment tu passes ce semaine. Bien avec Jésus. We sing holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 I want to see you, see you high, to see you high and lifted up, shining, shining in the light of your glory, pour out your power and love, as we see holy, holy, to see you high and lifted up. To see you high.
shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Voilà la jeunesse de l'église Vision des élus. Si vous avez apprécié la prestation, je vous applaudis. Yeah.
Autant aimer approfondir connaissance sous la Bible, l'église Vision des élus venir avec un programme pour vous qui porte nom Les Amis de la Bible. Un programme lecture biblique qui a une possibilité pour lire Bible, aller de Genèse à Apocalypse à distance, quel que soit côté dans le monde là. Si vous aimez participer dans le programme, ça tapez 952-222-1750 code 305-305-2310 si aux États-Unis. Si vous êtes pays d'Haïti, Chili, Brésil, Saint-Domingue et la Trier, allez sur WhatsApp sur numéro 561-909-7831. Nous allons tous sur Facebook, YouTube, tapez Radio Vision des élus ou êtes capable de suivre le programme dans toute intégralité. Nouvelle session à 15 janvier 2024, chaque soir sorti 6h pour arriver 7h30 du lundi au vendredi. Profitez moment ça avec pasteur Mondésir Joseph pour découvrir quelle qualité bénédiction qui gagne la Bible. Pour nous ouvrir, pour nous joindre toute bénédiction qui vient de dans les...